Salutations personnes de tout sexe et bienvenue dans cette nouvelle découverte. Aujourd'hui on découvre le jeu Homestead Arcana. De ce que j'ai compris, c'est une sorte de jeu où on va faire une ferme ou autre. Bref, on va découvrir ça, ça va être rigolo, j'espère. Et puis voilà, au pire des cas, ce sera juste une simple découverte. C'est pas le principe d'une caméra de bouger quand tu bouges? Ouais, mais là ça bouge étrangement. Tu vois. Créer une sauvegarde. Ah oui. Alors, on va pas jouer Billy. On va jouer Garvug. Type de corps. Couleur de peau. Moi, je vais aller vers le vert. Pourquoi vert et rouge? C'est très bizarre comme manière de choisir sa couleur de peau. Ah ouais, donc en gros, ceux qui veulent être black, ils vont se faire foutre. Bah bravo. Ah non, tu peux. Rien dit. C'est un démon! Un choix des cheveux. Le perso, il fait peur. Limite, c'est un screamer, un petit peu. La texture des cheveux, elle est assez incroyable. Waouh. Si un jour j'ai des cheveux comme ça, je hurle. Bah arrête, ils sont trop beaux. Bah bravo, Frites des îles. Forcément, blond aux yeux bleus. Et ensuite, ça lance un salon de coiffure qui s'appelle Hit l'air. Je vois le genre, quoi. Venez ici, nos prix font fureur. Je vois pas ce que tu veux dire. Whether it was by divine punishment or by consequence of human greed, we lost all those things and more. These days, folks live on barren mountaintops. Alors désolé pour TikTok, les sous-titres sont peut-être un peu petits. Certainly, there were a brave few who tried to stem the tide, but they paid dearly for it, with nothing in return. No, there is little hope for long-term survival now. Instead. Towns like Little Rock endure to thrive as much as they possibly can. With the time they have left, they establish initiatives like the Homestead Arcana program, which places witches of age at lower elevations so they may cultivate plants for back home. With the lack of viable land, this means witches settle right next to the border where the miasma lies. Though Little Rock Council cannot officially take action, c'est de l'anglais ou une langue inventée? Non, c'est de l'anglais.
to avoid the miasma at all costs. Oui, évitons le miasme, parce que le miasme, c'est pas bien. For fear of death, or worse. Ah, c'est peut-être l'accent qui te perturbe. C'est l'accent texan, si je dis pas de bêtises un peu. This is your stop, ain't it? Peut-être. Nous avons un petit chat tout mignon. Got everything on you, bud? Mais on a encore changé de tête. Thanks for the ride, Abraham. Canberge, je peux pas lui changer de nom parce que c'est vraiment laid. Well, see you later. Bye. Son willing, of course. Le mec il me pose juste à côté du mias, on va genre allez bisous. All right. Let's mosey on down. Ah, mais encore une fois, pourtant j'ai baissé le son de la musique et tout. Mais putain les voix sont moins fortes que la musique. C'est l'heure de boire, mais je fais que ça. Bon c'est vrai que c'est pas de l'eau. Mais quand même. Bah, j'ai l'impression que le jeu arrive à ramer alors qu'il est moche. C'est quand même assez incroyable ça. Qualité des textures élevées, hein. Bah, paye ta qualité de texture élevée. Oh! Et coucou Toutoun, comment vas-tu? On vient de lancer, comment ça va? POV, c'est graphisme ultra. Bah ouais, mais bon, vu la carte que j'ai et la qualité des graphismes, normalement, il devrait pas y avoir de soucis, quoi. Et bonsoir, ça va? Bah écoute, ça va, ça va. Je suis un peu malade, mais on fait avec. Et là, on découvre un nouveau jeu qui a cette particularité pour le moment de ramer alors qu'il est moche. C'est quoi les potions en haut à gauche? Bah, j'imagine que c'est parce qu'on va devoir taper des monstres et on aura besoin de potions. Et toi alors, t'étais sur quoi ce soir? T'es toujours sur Assassin's Creed ou t'étais sur autre chose? J'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder qui joue à quoi aujourd'hui parce que en ce moment avant le live je dors. J'ai fait du Ghostwire et du Assassin's Creed. Ok. That means we've reached our spot. Et alors Ghostwire, ça te plaît toujours? Well, except for all that miasma. Les miasmes. You didn't notice? Trust me, all that purple gas didn't used to be so high up. But what can you do? Je sais pas, peut-être mieux articuler ta bouche. Given me the honor of overseeing your initiation rites. Dirait une mauvaise marionnette. Normally, he'd be running it, of course, but I've only been back for a week, you know. I wanted to see for myself how much you've improved since. Le chat il glitch dans tous les sens. Ouais, tu sais, les chats, c'est des animaux un peu bizarres. C'est pas entièrement faux ce qu'il nous dit là. Nah. Ok. Alors, nous avons un plan pour faire une tente. Waouh. Ça c'est une tente en gelée. C'est stylé un peu. Yeah, that'll keep the elements out. Probably. Maybe. Don't worry. You'll get the materials to build a proper house before long. Mm-hmm. Like your Aunt Matilda did.
OMG coucou. OMG coucou Platinium, comment vas-tu? Par contre, ici on parle français, hein. On dit OMD. Non, ça vient de Life is Strange. Où ils avaient même traduit OMG et du coup dans les lettres tu trouvais il y avait écrit OMD. Raison pour laquelle tu verras que notre emote ici c'est REP et pas RIP. Voilà. Ça va très bien, merci. Oh, ça va très bien carrément. C'est cool. Je peux planter du maïs. Mais c'est incroyable. Quitter le mode soulevé. Soulevé tab. Alors. Où est-ce qu'on plante du maïs? Le gameplay est fou jusque là, franchement ouais. Alors pour le coup en plus, Jean-Jacques, le crêpier, c'est un vrai truc. Ouf. Putain, je peux faire apparaître de l'eau. Je suis incroyable. Plus zéro bug graphique ou de gameplay. Il n'y a aucun bug. Tu sais comment canaliser, mais bien sûr que je sais canaliser, tu crois quoi? Attends, il suffit d'appuyer sur ça et puis voilà. Wouah! Regarde, tu vois, je prends tout là. Et je fais bam, canalisation. Et ensuite, j'ai de l'eau. Vous avez compris ma magnifique blague? C'est la canalisation. Et là, bam, je recommence parce que je suis un malade. Putain, mais si même les plantes, va falloir les aider à pousser, on va pas s'en sortir. Hein. Et coucou Mathéis, comment tu vas? Et là, bam, je le casse. Waouh. Of course, you don't want to overdo it and blight the poor thing. All things, second rite is complete. And now, time for the third. Uh-huh. Prove yourself as a witch by building a cauldron and then brewing spell potions. Now, I can't... Ah d'accord, donc je serai une sorcière. Cauldron, that's part of the witching test. Nickel, c'est quoi le jeu? Ça s'appelle Homestead Arcana. Visiblement, il va falloir repousser du miasme d'une terre pour qu'elle redevienne fertile et compagnie. Je sais pas trop si on va y jouer beaucoup. Mais en tout cas, pour l'instant, on teste. Wouhou. Et merci beaucoup pour le follow sur TikTok. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ça fait envie en VR. Bah après, les jeux de ferme et tout, c'est toujours un peu lent. Ça, pour le coup. Mais non, mais je le posais là, moi. Dans ce cas, je le posais ici. Oui. Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Nick? Mais bon. Inventaire. Alors. Donc, grâce au centre de potion, je peux faire un épouvantail. Pas du tout cliché d'une sorcière avec un chat noir, non. Enfin, bonsoir. Eh bien, bonsoir à toi, Eden. Comment vas-tu? Amélioration d'abri manquant. Alors. Je suis obligé de le déplacer, en fait. J'ai pas le choix.
Je l'ai soulevé. Not sure if that's a good spot for it either. Et tu vas arrêter de m'emmerder? Cauldron. You'll need wood for the foundation, lavender for purification, and metal for the, well, cauldron. You can get some of those things in the meadow to the north, but that's blocked off. Mm-hmm. Luckily, I have all the ingredients you need. Bah, incroyable. Confectionner un chaudron. Alors. Et hop là. Parce que c'est bien connu, pour faire un chaudron, il fallait du bois et du maïs. Je suis obligé de le prendre comme ça. Oh. Préparation de potions, oui, bah j'imagine. Yes, j'ai de l'argent. Parce que pourquoi pas. Ça. Mais pourquoi je peux pas le mettre à côté de chez moi? C'est de la merde. Oh, merci pour les mets, pour les canidés. En plus, là, il y en a deux. Donc ils en auront chacun un. Sorte d'ondulation. People are always losing things, right? And Ripple is great for finding stuff. So this will be a best sell. Anywho, you've just completed the initiation. Oh no. Qu'est-ce qu'il y a? You have to understand the miasma tides are unpredictable. When I hit it. Eh oui, j'ai le chien de mon frère là pendant quelques jours. Du coup, il y en a deux. Actuellement, il y en a un dans un panier et l'autre sur le lit. Ah mon dieu. Et alors? Et alors? Ceci te fait miasme? Allez. Qu'est-ce qu'il est laid cet arbre? Bon sang. Waouh. La carte est incroyable. Juste l'arbre? Ouais. Non, après l'autre c'est un style graphique quoi. C'est. J'aime pas particulièrement, mais c'est... j'irais pas dire que c'est laid. C'est particulier, quoi. Oh. Non, je peux pas passer. Cela dit, j'avoue que moi je me disais, ah, c'est peut-être notre nouveau jeu de ferme et tout. Peut-être pas. Hein, finalement, peut-être pas. All right. As soon as you walk through that veil, you're gonna be breathing miasma. And you're really gonna feel it in your lungs. Bah après, les graphismes, ça fait pas tout. Hein. That's why it's important that you find the reward as soon as possible. Bah je sais que l'autre il a fait des mises à jour, mais il est toujours pas sorti en version 1.0, non. Drinking a ripple potion will enchant your sight and help you see better. Come on, give it a sip. Bien. Incroyable. Alors, pas là qu'il faut que j'aille. Lancer ondulation. Did you drink the ripple potion? Ben oui. Oh,
Ça fait trois fois que j'appuie dessus. Anything important will light up like I do. Okay. Don't stay too long in the miasma. Keep an eye out for a wooden crate. Ah oui, non, après, je suis d'accord que si tu trouves un jeu pas beau, ça atténue un peu ton ressenti. Mais non, chercher la récompense dans les miasmes. Ben donc j'avais raison. M'emmerder juste. Eh oui, effectivement. Pourquoi c'est pas si dangereux, hein? Vas-y, récolte-le. Allez, vite. Vite, t'es en train de mourir. Ouais, visiblement, c'est ça en fait, les potions, c'est ta vie et ton mana en dessous. You okay? Are you dizzy? How's your breath? Your blood pressure? Sun on high, it's bad, isn't it? Okay, no, this is fine. We just need to get you to eat something. Mm-hmm. The box had blasting powder, right? You should be able to use it to destroy the pink stone that's blocking the path up north. Over there. Nouvelle quête. Pause repas. D'accord, j'ai juste besoin de poudre. C'est vrai que ça marche comme ça un peu. Ah ah! Un truc. Du compost. Ça ramasse vraiment tout et n'importe quoi. Oh, un crab apple. Je peux arroser la plante. Wow. Incroyable. Alors cette espèce d'idée de canalisation et tout, à la limite, ça peut être intéressant, mais... Allez... Ouais, je sais pas, moi j'ai surtout peur qu'on s'emmerde assez vite. Que le jeu soit très mollasson aussi. Bon, il faut que je mange la pomme. Enfin, mangeant la pomme. Feeling better? You
You should keep looking around here, by the way. Now, I understand that you might want to explore the miasma some more, but there are other things you can be doing. For example, bah, ce serait cool, ouais, qu'on puisse quand même automatiser un peu, parce que bon. And when he does, he'll have useful things to buy. And, oh, on va se faire chier, sinon. You should always be checking your mail. Never know what's gonna be in there. Mm-hmm. Registre, pas de courrier. Super. Bon, explorons un peu. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi leur compost, il est dans des bassines. Bah, j'ai l'impression que la dernière ici, je pourrais pas me mettre full life tout à fait. Mais oui, on va trouver un truc. Mais pour l'instant, j'explore un peu, j'ai pas besoin d'avoir toute ma vie. Et hop là! Le système de visée est nul. Exactement. Mais ça se trouve, 30 secondes plus tard, je peux aussi trouver une espèce de fontaine avec une fée qui va me soigner. Et j'aurais perdu des ressources pour rien. Il a cru que c'était Zelda le jeu. Eh. Si on croise une fée, je me moquerai de vous. Pourquoi ça ressemble à des mains ? Oh non, notre perso chantonne. S'il te plaît, fais pas ça. Et bien joué, Platinum, tu passes Pecno. Pecno boiteux. Oh, tu sais, Zelda, c'est pas les premiers à avoir inventé les fées qui régènent. Hein. Du moins, c'est pas les derniers, ça s'est vu dans pas mal de jeux. Alors, canalisons. Il y a... Non mais Nintendo, déjà on va bientôt y jouer, donc ça va. Ils peuvent nous excuser si on joue à un autre jeu en attendant où il y a des fées. Sont bizarres leurs pommes quand même. Moi, elles m'inspirent pas confiance. Allez hop. Combien tu manges une pomme comme ça en vrai? Pour 400 balles.
Oh non, Maurice est mort. Rep Maurice. Lisez la lettre d'un oiseau coursier. Où est-ce qu'il y a un oiseau coursier? Ah. Mais vous êtes ignoble. Une tarte à la citrouille. C'est laid. Bah voilà. Tu vois? Je me suis soigné direct. J'ai bien fait de pas manger ma pomme. Alors c'est pas une fée qui m'a soigné, mais c'est un oiseau citrouille. Lettre de la maison. Ah, super. Nuit noire. Lisez la lettre. Mais elle est où la lettre? Oh, tu m'emmerdes. Voilà. Yep. Always. And make sure to take advantage when Abraham's here so you can sell the produce for silver. 400 euros la mort. Wait, ça se trouve, c'est super bon. Look, I know you want to go back into the miasma. Just remember when you're in there that the town still needs you. When you want to go back in there, talk to me. I'll give you a device that'll help you breathe easier. Mm-hmm. Il peut pas dormir un peu, notre perso? Mais il est passé où, ce comte Canberge, là? Apparemment, j'ai pas le droit de... pas le droit de l'arroser. This is a mask for protection. Again, it's not going to make you invincible. And it definitely... Anyway, if you're insisting on... Tilly's old homestead... Oh. Ça filtre pendant 4 minutes. Oh, le perso va plus vite que ses pieds. Eh. La classe, hein. Après Lucky Luke qui va plus vite que son ombre, le perso qui va plus vite que ses pieds. Je trouve ça un peu cool. J'avais parlé du Lucky Luke aussi, la classe. Alors. Waouh. L'animation de Dingus. Waouh. On dirait un SCP. Aïe. Vas-y, donne.
Et ouais, je t'arrache ton noyau. Est-ce que je peux exploser ça? Non. Alors, pendant votre chasse au trésor... Pendant une chasse au trésor, j'ai fini par m'évanouir. À mon réveil, tous les objets que j'avais récupérés avaient disparu. Ok, donc faut éviter. Très bien. En fait, c'est comme dans tous les jeux, quoi. Un trésor. Ah, yes. Donc les trucs sont couverts de miasmes, donc je peux récupérer moins de choses quand je suis ici. Un jeune plant de tomates, trop cool. On va faire des tomates, truc de dingue. Un coffre. Alors, du chou. Du maïs. Du chou. Bah mais je sais pas forcément où il est moi là. Le grill. Au pire j'y retournerai plus tard hein. Ramasser la vieille couverture, mais grave. Article manquant. Pire, j'ai juste à sortir et re-rentrer. Hein. Si je trouve pas le grill, c'est pas... On s'en remettra. Hein. Petit bulbe de miasme. C'est joliment vendu, ça. J'ai trouvé de l'argent. Pourquoi les gens laissent de la thune là-dedans? Alors. Avais-je raison? Et oui, et là du coup c'est plus couvert de miasmes. Et du coup maintenant je peux les réempiler. Incroyable! Va te falloir un coffre. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Aïe. Comment tu juges, Mini Clem? Je te pensais pas comme ça. Coffre de rangement. Il me faut une capsule de coton. Mais oui! Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? C'est vrai qu'il faut du coton pour faire un coffre. Oui, emoji petit ange. Emoji Clem donc. Du coton pour un coffre en bois? Oui.
Bon, on va voir si on trouve ce putain de grill. Ou du coton. Du coton, ce serait bien aussi. C'est pas impossible. J'avoue que je fais même plus attention. Tiens, il y a un puits là-bas, Clem. D'ailleurs, j'avais vu. On va pouvoir aller jeter des pièces dedans, si tu veux. Lettre de Marvin. J'aurais presque pu le lire si j'en avais quelque chose à foutre du lore. Ça, c'est un miasme plus fort. Alors, est-ce que t'as compris ce merveilleux jeu de mots sur les frelons? Ah, il est là, le grill. Recette de clôture. Trop cool. Le lore en PLS après ça. Des instructions sur le pot. Un pot de quelque chose. Ramasser le tabouret. Vous avez maintenant un plan de tabouret. C'est incroyable. Recette de fourche. Je reçois trop plein de trucs. C'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du safran. De quoi s'affranchir de toute dette. Oh, coucou Australopithecus, comment tu vas? C'était bien Sea of Thieves? La mer des voleurs? Vu le prix du truc, c'est bien d'en avoir gratuit du safran. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ça va et toi? Ouais, on a fait les pirates. Pirates! C'est moi où j'ai perdu un point de vie complet à cause de la fatigue? C'est de la saloperie. Bâtard. Et je vais filer. Des bisous et bon stream. Bah pas de soucis, file bien. Bonne couture. LOL. Et bienvenue à tes viewers. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, bah, n'hésitez pas aussi à vaquer à vos occupations, si jamais. Même si je comprendrais pas que vous ayez envie de fuir ce jeu qui est pourtant magnifique, quoi. Mais bon. Eh bien moi, je fuis. Bah, fais attention. Hein. Pense à colmater les brèches. Je crois que c'est la fin. Je dirais que c'est la fatigue, moi. On verra. Je vais essayer de dodoter, on va voir si ça aide. Mais j'ai jamais le droit de dormir. You're back. Do you have the grill? I know what that is. But how has it stayed intact? No. It's more a type of fertilizer. Though I wouldn't pour this on any of your plants if I were you. You might have seen a scar already. Mm-hmm. Huge cavities in the earth that let out all this miasma.
But according to the Academy journals, deep inside those scars are Dust Eaters. Just like the one on your homestead, only stunted. So in theory, you pour this fertilizer into the scar, and the Dust Eater instantly grows full size, soaking up the surrounding miasma. Cool. I said, in theory. Truth is, we didn't know if it was the location, the age of the tree, or what. But it didn't seem to do anything. You're still welcome to try, of course. Just don't get your hopes. Okay. Faut que je trouve des cicatrices de miasme. Décoration de jardin. Putain, mais j'ai appris trop plein de choses. Truc de malade un peu quand même. Grille de base. Oui, c'est ce qu'il disait que c'était à côté de la maison, mais on va d'abord construire des trucs. Moi, tu m'as fait aller chercher un grill, je construis un grill. Du beurre de pomme. Du chou bouilli. Du pudding de maïs. Ça a l'air dégueulasse. De la bière de bouleau. Incroyable. Oh, c'est un petit binouze là. Ah, merde, ça me met des déchets aussi. Décidément. Donc c'était bien la fin. T'avais raison. Mana au max. La bière, ça remet du mana. Logique. Mana, mana. Mana, mana. Ouais, grave. Nouvelle quête, sauver l'école. J'en ai rien à foutre de sauver l'école. J'ai hâte d'avoir que ça à faire. Spoiler alert, non. Elle peut brûler l'école. Oh. Alors, allons sauver la maison de mamie. Waouh, tu as ouvert un coffre et trouvé de l'espace. Incroyable. On a gagné une verrue plantaire. Non, du soufre. Bah c'est super. Ah mais du coup ça a absolument pas enlevé le miasme, ça a juste enlevé le miasme qui était ici. Allez, faut boire, mais... Aïe aïe aïe. Merci bien.
Waouh, grave. Ah, mais notre perso sait pas sauter aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Ah non! Un méchant! On va peut-être rentrer en fait. Rep. Ah voilà, on a enfin dormi. On s'est dit on va s'arrêter là pour ce jeu. Parce que j'avoue qu'en fait il me plaît pas du tout. Aïe aïe aïe. Donc voilà, c'était la découverte de Homestead Arcana. C'était la première heure. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas. Moi, ça me plaît pas. Des bisous.